Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de Pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez effectuer au quotidien pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vous présente un exercice pour renforcer la sangle abdominale, The Single Leg Stretch. Mais avant, je présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo, vous bougez mieux au quotidien. Voici un bon exercice pour renforcer votre sangle abdominale. Je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Vous avez besoin pour ça d'un tapis et d'une serviette. Venez vous mettre sur le dos. Allongez un bras, passez sur le côté et venez ensuite vous mettre sur le dos. Placez votre serviette sur la partie haute de la tête. Ça va permettre de garder le menton rentré. Prenez conscience de votre colonne vertébrale. Passez vos doigts en dessous. On a une courbure au niveau de la colonne vertébrale. Vous devez garder la courbure naturelle au niveau du dos. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de ne pas creuser plus au niveau du dos, ni de plaquer le bas du dos au sol. L'objectif de l'exercice, c'est vraiment de garder la courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale et de garder le bassin stable. Vous allez serrer votre ceinture 3 crans. On expire, on resserre la taille de 1, 2, 3. Vous allez engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz, que l'on remonte vers l'intérieur jusqu'au nombril. Décollez pied droit, pied gauche et placez les deux genoux au-dessus des hanches, les chevilles alignées avec les genoux, avec les bras longs du corps. On va expirer et simplement allonger une jambe. Et inspire, on ramène le genou au-dessus de la hanche. Même chose avec l'autre jambe. On allonge et inspire, on ramène le genou au-dessus de la hanche. Donc vérifiez bien qu'on garde bien le dos neutre, donc la courbure naturelle de la colonne, que la ceinture est bien serrée 3 crans, et qu'on garde l'engagement du plancher pelvien. Le menton est en rentrée. On y va, on enchaîne ça? C'est parti, on allonge la jambe droite. Expire. Et inspire, on ramène. On souffle. Et inspire, on revient. Encore. Donc un bon exercice pour renforcer la sangle abdominale, mais également le dos. Et on ramène. Soufflez bien. Et inspire, on revient. Expirez en faisant de la buée sur une vitre. Souffle. Et inspire par le nez en revenant. Expire. Et inspire par le nez. Écartez les côtes en revenant. Dernière fois, droite et gauche. On revient. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Inspire. Et on repose. Pied droit, pied gauche. Au sol. On se détend un peu, on va faire une deuxième série. L'objectif de cette deuxième série, c'est vraiment qu'on rentre dans la sensation, que vous prenez vraiment bien connaissance de cet exercice et que vous essayez vraiment de sentir ce qui se passe dans le corps au niveau du renforcement. On se relâche un peu, on se détend, prenez une bonne respiration et on expire, on souffle. Parfait. On va refaire une deuxième fois cet exercice. Donc on redécolle pied droit, pied gauche. On se replace bien. Donc on a notre creux lombaire, on serre la ceinture, 1, 2, 3, hop, plancher pelvien, activé, les bras bien posés au sol, le menton rentré. Expire, on allonge jambe droite, et inspire, on revient. On allonge la jambe gauche, la jambe droite ne bouge pas, et inspire, on revient, souffle. Souffle. Hop, vérifiez toujours que ça ne bouge pas au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez placer le bout des doigts juste derrière le bas du dos pour vérifier que vous ne creusez pas plus, ou à l'inverse, que vous ne plaquez pas les lombaires au sol dans l'exercice. Dernière fois, droite et gauche. Menton rentré. On souffle. Inspire. Et on repose. Pied droit, pied gauche au sol. Parfait. On pivote tout doucement sur le côté. Prenez appui sur une main. On redresse. Très bien, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. Vous avez une zone de commentaires située sous cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roulesurlaforme.fr. Vous allez retrouver différents programmes pour bouger mieux au quotidien. Vous allez également y retrouver différents programmes de Pilates pour renforcer le centre du corps. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao !